Alors, Collector, quand l'art devient livre, est une exposition qui est en même temps une installation. Une installation composée de 15 tables, ces 15 tables contenant environ 200 pièces qui sont des livres ou des objets, des œuvres qui s'approchent du livre, comme par exemple peuvent s'en approcher des cahiers d'artistes dessinés ou écrits, représentés, en tout cas peu reproduits ou pas du tout reproduits et n'existant qu'en très petit nombre d'exemplaires. D'où viennent ces 200 pièces présentées dans l'exposition? Eh bien, elles viennent de 5 collections présentes à Marseille, importantes, comme pour commencer celle des fonds rares et précieux de l'Alcazar, celle du Fonds régional d'art contemporain, celle du Fonds communal d'art contemporain, celle du Musée d'art contemporain, en particulier la collection Ernst Goldschmidt, et la collection du Centre international de poésie basé à la Vieille Charité. Des fonds donc variés, différents, de très grande richesse, dans lesquels sélectionner est une tâche difficile et longue que j'ai accomplie avec beaucoup de plaisir. Je l'ai accomplie dans une idée qui était très simple, qui était de montrer une très grande variété des approches que les artistes et les écrivains peuvent avoir du livre. On connaît le livre comme le véhicule du texte romanesque, comme le véhicule du poème, comme le véhicule de l'essai. Mais il y a bien d'autres usages du livre, à commencer par l'illustration, qui est la version que l'on connaît la mieux, via notamment la littérature jeunesse, par exemple, ou la bande dessinée, ou la représentation, les livres de photographie, par exemple. Mais il y a bien d'autres manières d'utiliser le livre comme un espace pour l'expression artistique proprement dite et qui, bien souvent, combine les modes d'expression. L'un des grands intérêts de l'exposition Collector est de montrer des objets qui sont très rarement montrés au public pour la bonne et simple raison qu'ils sont généralement conservés dans des collections qui ne sont pas accessibles sur simple demande. Alors, l'objectif, le pari qui était celui de cette exposition était d'en montrer le plus grand nombre possible compte tenu du dispositif dont nous disposions, ces 15 tables dans le hall d'accueil de la bibliothèque de l'Alcazar. Et le parti pris, souvent dans ces expositions, on montre ces livres dans des contextes où il y a du blanc autour, ils ont de la place. Là, le principe a été de densifier au maximum, qu'il y en ait le plus possible, pour éviter ou pour compenser, parce qu'on ne peut pas l'éviter, pour compenser cette frustration qu'il y a à ne pas pouvoir les tenir dans ses mains, les feuilleter, tourner les pages. Ils sont arrêtés sur leur propre page, comme on dit du cinéma qu'il y a au cinéma, il y a des arrêts sur image. Là, on a fabriqué en fait des sortes de compositions d'arrêts sur page, chaque table étant une exposition dans l'exposition, si je puis dire. Et pour compenser donc cette frustration, le parti pris a été celui de multiplier les ouvrages présentés, les livres ouverts, multiplier les livres ouverts en les rapprochant les uns des autres de façon non chronologique, non thématique, en tentant de faire se télescoper des objets très différents les uns des autres pour observer la façon dont ils dialoguent entre eux. Alors,
Alors l'exposition collector est ouverte à l'Alcazar du mardi au samedi de 13h à 17h30 et ce jusqu'au 27 mars. Nous vous y attendons nombreux. À bientôt.